chantons, nous te louons, Seigneur. Voici le moment, Seigneur, où nous voulons monter sur le terrain pour aller sonner la trompette, Seigneur, la trompette de repentance. Seigneur, je prie que tu mettes ta parole dans nos bouches, Seigneur. Amen. Seigneur, la parole qui doit toucher le cœur, la parole qui doit toucher le cœur du péché, Seigneur, mets cette parole dans nos bouches, Amen. Seigneur. Afin que tout ce qui est devant vous ce soir, Seigneur, puisse dire quelqu'un, puisse arracher quelqu'un de ce mauvais chemin, Seigneur. Merci. Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Seigneur, que nous demeurons sous ta couverture spirituelle. Seigneur, que tes anges prennent autour de nous, afin que tu nous amènes sains et saufs pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mettez de l'eau dans votre vie, Jésus vous aime. Sois pour te l'eau, par exemple, ton rein. Jésus qui vous aime. Jésus y en nous, mais. Le retour de Jésus qui est imminent. On parle à Jésus, ton ami, amen. Quand Jésus t'aime. Non, quand ils sont devant Jésus qui s'aime. Jésus y en nous, Jésus qui vous aime. Jésus y en nous, mais. Il n'y a plus de temps à perdre. Et nous sommes devant mes voix. Plus de temps à perdre. Et nous sommes devant mes voix. C'est la frustration. C'est mon mal. Venez donner votre vie à Jésus-Christ. Population de Kogokadi. Jésus-Christ te tend la main. Jésus à l'ordre de Dieu. Jésus te tend la main. Jésus à l'ordre de Dieu. Le retour de Jésus qui est imminent. Voilà Jésus te réunit, amen. Donne ta vie à Jésus. C'est présent toi, Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment. Amen, le Dieu, c'est le roi romain. C'est une occasion pour toi. Et les chômes ont déjà eu. Donnez ta vie à Jésus. Demande si vous êtes présent toi, Dieu. Ah, hier et aujourd'hui t'appartient. Non, on sort là, il faut les bons, mais quoi, hier et aujourd'hui qui t'appartient. On sort là, il faut les bons, mais quoi, les toi, mais demain ne t'appartient pas. Mon seul gars, ouais, là, il te dit. Ce qui va t'arriver, t'es sûr de faire, tu ne seras plus. Ce qui peut t'arriver dans une heure de temps. Mais le Seigneur. Mais pourquoi c'est quand toi tu te mets dans la souffrance, tu appelles Dieu. C'est quand toi tu vois que tu as des difficultés, tu appelles Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie te parler. Je te dis en vérité ce soir. Si tu veux entamer ta démarche. Et que tu ne mets pas Dieu dedans, Jésus de il sera impossible pour toi. D'introduire Dieu dedans au milieu ou à la fin. Mais pourquoi il est très bien. Quand tout ce que tu veux entreprendre ou faire. Tu mets Dieu dedans. Je suis chrétien. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ
toutes choses sur la terre. Toutes choses sur la terre. C'est tous ces paramètres.
qui vont témoigner que tu es plus chrétien ou chrétien. Voilà les choses. Oh, tu dois témoigner que tu es enfant de Dieu. Mais si tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu demeures toujours la même personne. La personne que tu étais hier. La même personne. Rien n'est changé dans ta vie. Nous débouillons. Rien n'est changé. Nous débouillons. Tu te mets toujours la même personne. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, les choses doivent changer. Tu dois quitter l'état que tu étais. Tu dois devenir une autre personne. Et l'ancienne personne doit mourir. Et la nouvelle personne doit naître. C'est la nouvelle naissance. Vas-y. Tu dois avoir la nouvelle naissance en toi. Si avant, tu étais bien de la calomnie, tu dois savoir que tu dois abandonner la calomnie. Si avant, on te voyait dans le vent. Tout est à Jésus-Christ. Dans ta chambre. Et que ça a servi le Seigneur. Je te dis en vérité. La religion ne sauve pas. La religion ne pourra pas te sauver. La religion t'a aveuglé. La religion aveugle beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont aveuglées aujourd'hui. Jésus-Christ, la finalité. Oh, fit un vivant.
sera ma fin? Tu peux me dire, mais qui est mort une fois et revenu, dit qu'il y a l'enfer. Mais quelqu'un met dans ta famille, tu souhaites la paix, la paix, la paix. Mais laisse-moi te dire, le concret de la paix, c'est la chaleur. Donc, si rate la paix, tu ne peux pas rater la chaleur. Là, tu dois savoir que le phénomène, si tu souhaites la paix pour quelqu'un, il faut savoir que il y a la probabilité que cette dernière rate la paix. Alors, voilà, Jésus. Et tu es des membres de l'humanité, mais si tu rates le paradis, et là, tu vas retrouver de la géhenne ce matin. Bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ s'est sacrifié à la gloire. C'est pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Car il déclare, celui qui m'assère, si tu m'assères, si tu m'assères, toi tu mourras même. Tu dois vivre éternellement. Si tu acceptes Jésus, si tu acceptes Jésus, quand tu mourras même, tu dois vivre éternellement. Le moment est venu. Dans le livre de Jean, Puissant. Ah, c'est oui, on a dit, 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 on a dit
Éloigne-toi de moi. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Parce que tu l'avais renié. Parce que tu l'as renié sur la terre. Mais le mettez le Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut te faire grâce. Le Seigneur veut t'accorder encore une chance. Le Seigneur veut encore une nouvelle chance. Il suffit juste au bien de mettre le Seigneur. Quand tu te milites et que tu demandes pardon à tous tes péchés, tu reconnais que tu as péché envers le Seigneur. Tu reconnais que tu as déçu le Seigneur. Tu reconnais que tu as abandonné le Seigneur. Tu ne sais pas le détruire. Je ne veux pas la mort d'un pécheur. Mais tout ce que je veux pour le pécheur, le pécheur revient. Et le pécheur se détourne de son chemin. Permettez le Seigneur. C'est juste ce que Jésus veut de toi. Jésus va le contrôler. Il suffit que tu abandonnes ce mauvais chemin. Il suffit que tu abandonnes ce chemin. Il suffit que tu laisses ce chemin. Et tu reconnais que tu as péché envers le Seigneur. Tu reconnais que tu as blessé le Seigneur. Quand tu reconnais que tu as péché contre le Seigneur. Et tu demandes pardon. Les parents déclarent qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et tu donnes le moyen de le petit bonheur. Jésus-Christ est Dieu amour. Il est Dieu compassion. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te pardonner. Ce soir, je prie que le Seigneur te pardonne. Je prie qu'à n'importe quel moment, où tu vas t'agenouiller dans ta chambre ou n'importe où pour demander pardon. Quand tu demandes le péché, rien ne peut nous donner.
C'est pourquoi je prie pour toi. Quelle que
soit la situation, quel que soit ton problème, je prie que Jésus-Christ intervient. Je prie que le Seigneur t'intervient. Je ne te connais pas, mais Jésus-Christ te connaît. Quand il a dit, la terre et le ciel m'appartiennent, et je connais tous ceux qui se trouvent sur la terre. Mais maintenant le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais par la puissance du Saint-Esprit, j'entends que cette situation cesse maintenant. Mais il ne te vaincront jamais. Je prie maintenant, quelle que soit la flèche, quelle que soit ce qui te lance, physiquement ou spirituellement, même quand ton chômage, je prie maintenant que cela soit nul et sans effet. Je prie maintenant que Je fais maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je fais maintenant de Jésus-Christ. Que ces trous spirituels soient fermés maintenant. Je fais maintenant de Jésus-Christ. Je fais maintenant de Jésus-Christ. Je prie également pour toi. Que tout esprit de chacun qui te dérange. Tout esprit de chacun qui te dérange. La Bible déclare, que l'éternel des armées, oh maman, envoie ses anges. Et non, c'est où est-ce que vous êtes? Tout de ceux qui le traînent. Le bonheur, toi, parlez, comme il nous dit, afin de pouvoir les arracher du danger. Si on y a l'air, je prie pour toi maintenant. Regardez le Seigneur, envoie ses anges. Oh, un gars, il m'a autour de toi. Il dit, l'aide. Que le Seigneur envoie ses changes. Il y a un gars, il m'a mis un gars dans les deux. La paix autour de toi. Que le Seigneur envoie ses changes. Il y a un gars, il m'a mis un gars dans les deux. La paix autour de ta maison. Il y a un gars, il m'a mis un de ta maison. Autour de ta marchandise. Afin de quoi? Je prie maintenant. On connaît le divin. La main puissante. Alors, regarde ma la main divine. Alors, vous pouvez dire. Jésus-Christ. Le maouda, le Dieu. Règne sur ta vie. Il te parle de Dieu. Que sa main puissante. Alors, maouda. La main qui libère du péché. Alors, tout quand nous mettons la demeure. La main qui sauve du péché. Alors, tout quand nous mettons la demeure. Que cette main te visite maintenant. Cette main te visite maintenant. La main qui restaure. Alors, non, pardon. La main qui guérit. Alors, non, mais non, la main qui sauve. Alors, non, mais gagne. Cette main te localise maintenant. Cette main te sauve maintenant. Alors, non, non, par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, alléluia, alléluia, le sang.
la gloire et la puissance soient à notre Dieu. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance soit à Jésus. Saint jugement, sans juste véritable, Saint jugement, sans juste et véritable, ses œuvres sont grands et admirables, son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia à notre population de Kokokoji. Une fois encore, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous sommes encore là devant vous. Et petit misantito, nous commettons. Oui, c'est une occasion que le Seigneur nous a prêtée. Si vous êtes dans ce marché ce soir, si ils sont venus vous voir ce soir, cela c'est une grâce que notre Seigneur Jésus nous a accordée. Et nous avons l'habitude de venir dans ce marché et nous vous prêcher la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui aussi nous sommes là parce qu'on ne met pas en restant debout. Si tu meurs, tu ne peux pas rester debout. Ceux qui meurent sont au sol. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort qui est resté debout. Ça veut dire que si nous sommes venus aujourd'hui, et nous vous voyons ce soir, ça veut dire que vous êtes vivants. Et la bonne nouvelle doit se prêcher à ceux qui sont vivants. C'est pour cela que ce soir, nous sommes là encore. Nous sommes mandatés par notre Seigneur Jésus. Vous venez vous allaiter encore. Parce que la bonne nouvelle doit se prêcher à tous ceux qui sont vivants. Parce que la Bible déclare que après la mort n'a plus la repentance. Bon, Kugando, les vents de Mati, et cette bonne nouvelle appartient à ceux qui sont vivants. Bon, les vents, bien aimé, une autre question pour vous. Et bien, que nous avons l'étape de venir dans ce marché. Pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et jusqu'à présent, parmi ces têtes, nous. Vous commencez à dire, est-ce que cela n'a rien fait? Oui, parce que vous avez raison. Parce que tout le jour vous nous voyez dans ce marché. Vous nous voyez toujours chez vous. C'est pour ça que vous avez l'habitude de poser la question. Est-ce que nous n'avons rien fait? Est-ce qu'on n'a pas d'autre endroit pour nous? Nous sommes toujours vers vous. C'est parce que la grâce est toujours disponible pour vous. Parce que la grâce de Dieu Tout-Puissant est toujours sur vous. Oui, nous sommes d'accord avec vous. J'ai posé la question. Nous avons dit, nous n'avons rien fait. Nous aussi, nous pouvons vous poser une question. Tout le moment que nous sommes avec vous, nous vous prêchons la bonne voie des rames de Dieu. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que nous faisons? Tout ce que nous vous disons, quel intérêt vous avez? Ou bien c'est notre présence ici tout le jour qui est problème pour vous? Ou bien tout ce que
nous disons, vous n'avez rien gardé. Ma cabine, nous n'avons pas dit dans la vie, mais il est bête, si c'est ça qui est votre cas. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Parce que nous ne sommes pas venus pour vous plaire. Nous ne sommes pas venus pour vous caresser la parole non plus. Mais nous sommes là toujours pour vous dire la vérité. La vérité qui vous a mené au royaume de Dieu. La vérité qui est Jésus lui-même. Celui que nous sommes là toujours pour vous annoncer. Si vous êtes fatigué de nous voir passer marché. Si vous êtes fatigué pour la parole de Dieu aussi. Nous sommes là toujours pour apprendre quelque chose. Mais nous n'avons aucune connaissance. Mais Jésus nous a donné quelque chose de vous enseigner. Ça veut dire que nous ne sommes jamais être fatigués de nous. Mais nous sommes là pour la parole de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce n'est pas la bonne nouvelle pour vous amener dans notre maison. On ne vous a dit que nous avons la bonne nourriture dans la maison, venez manger. Mais nous vous prêchons dans le royaume des cieux. Là, votre vie serait garantie au ciel. C'est ça que nous vous prêchons tout le temps. Est-ce que vous allez gagner quelque chose à tout ce que vous attendez? Tout ce que nous vous disons, est-ce que vous avez reçu quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné dans toutes ces choses? Depuis le temps que nous venons dans ce marché, si vous devez faire le bilan de votre vie, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez gagné? Quel intérêt vous avez gagné tout ce que nous disons? Mais c'est ça notre question pour vous ce soir. Parce que vous venez toujours chez vous. Cela ne suffit pas. Cela seul ne fait rien. Mais qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ce que nous disons? Parce que nous avons l'habitude de parler de Jésus-Christ. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as donné la première place à Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as donné la première place à Seigneur Jésus? Parce qu'il a décrété de sa parole. Oui, je me tiens à la porte. Et je le frappe. Si quelqu'un attend ma voix, Et la personne ouvre la porte, je rentrerai chez la personne. Et la personne, je vais manger avec la personne. Est-ce que Jésus-Christ vient depuis qu'il tape ta porte? Est-ce que tu as déjà ouvert la porte pour Jésus? C'est parce que nous vous prêchons. Est-ce que vous avez écouté cela? Est-ce que vous avez fini d'écouter, vous avez mis ça en pratique? C'est ça que nous continuons de vous prêcher. C'est ça que le prophète avait prêché. C'est ça que les apôtres avaient prêché. Et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Et le prophète également. Tout ce qu'ils ont enseigné, nous tout ce qu'ils ont prêché, nous c'est ça que nous devons faire aussi. Les disciples d'avant. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes qui avaient suivi Jésus, n'ont jamais prêché la richesse de monde. Ils n'ont pas venu prêcher le mariage. C'est pour même année que nous aussi, nous ne sommes pas là pour prêcher le mariage. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher ce que vous voulez.
Jonas Seigneur. Non, c'est pas là pour faire volonté. Mima wana do wa drobito. Non, c'est pas là pour faire volonté. Mima wana do basi o drobi la suto. Parce que faire volonté ne peut pas vous conduire au ciel. Non, drobi la suto magane mi bien sekwe. Parce que la volonté que nous voyons en vous. Non, mais bon, drobi de mi moto mi mele. C'est la volonté que le monde vous a prêché. Non, drobi moto de yeko lana mi da yeko. C'est que nous voyons les choses du monde sur vous. Mais où tu mi ba moto moi, ils vont dans les moto mi go. Mais nous savons que nous ne sommes pas de cette terre. Milieu de ma foi doit y bâtir. Nous sommes les trajets sur cette terre. Mille jours doit y bâtir. Nous allons tout quitter un jour. Ni même pas d'attention à y bâtir. Mais là où nous allons. Si des bica les côtés là. Son principe. Si des là où y vit des. C'est ça que nous devons vous prêcher. Et des là où miwa boato dit. Nous devons vous prêcher cela. Miwa boato. Au fil des billets côtés là. Sa mère a écouté. N'ayez des vers sinon si c'est. Même si c'est difficile à écouter. N'ayez des vers ou non si c'est. Nous ne voulons pas vous faire votre volonté. Lima c'est gambassio dromiton. Donnez votre vie à Jésus. Mais c'est que ça miton. J'espère Jésus crucifié. Jésus-Christ, il y a quoi dans sa vie. C'est lui que nous vous prêchons. Et ne l'a on a mis le bien aimé, nous vous prenons de frère Jésus. Mais mito Jésus, pète l'antigono. Pas le faux Jésus. Et mais Jésus, là, l'autre, il y a des gens. Pas le faux Jésus que nos pères avaient adoré. Et mais Jésus, là, l'autre, il y a des gens. Nos pères avaient adoré le faux Jésus. Baba mito l'écosse, mawako. Le faux Dieu. Regaï, mawako, le faux Dieu qui n'est pas des yeux. Mao de Mado Moukou. On les a donné les yeux. Yena et Moukou. Il n'a pas des oreilles. Yema doto, on les a donné les oreilles. Yena yoto, mais notre Dieu n'a pas été donné, les oreilles n'ont pas été données par notre Dieu. Oh, toi, mais il n'a pas de maou mille total. Non, c'est personne n'a pas donné les yeux. Maou mito, yema nénoukou, il est Dieu à lui-même. Où? Il est Dieu à lui-même. Où est-ce maou était ton? Non, Dieu n'a pas été créé par l'homme, la main d'homme. Et quand il maou mito, mais il dit d'accord, le bâton ton gars. Aujourd'hui, le Dieu que notre père avait adoré. Et quand il toi, t'a dit, nous des maou, toi, mito, la saint. C'est ça que vous cherchez. Il fait ta sainteté. Et tu as quand
retoué. Il fait ça cet été. Un gros clan d'eau retoué. Bien aimé. Mais vivez. C'est ce fort Dieu que le Père avait adoré sur les montagnes. Et d'ailleurs, Mawa Gode, t'as pas mis ton laisse ton son Dieu. C'est ce fort Dieu que le Père avait adoré. Mawa Gode, t'as pas mis ton laisse ton son Dieu. Aujourd'hui, je vous disais que les blancs sont venus nous coloniser avec la parole de Dieu. Bon, mino dodo, yo vo awa do na mi do mini se mau. Le faux Dieu que nos pères avaient adoré, que vous croyez. Bon, Mahou a gardé tant qu'on mit dans les casselons. Est-ce qu'il les a promis la vie éternelle? Mais il n'y a pas de problème. Voilà notre Dieu. Mahou mito. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'a pas de vrai Dieu. Mahou Toto. Le créateur de ciel et la terre. Mais les dents, l'on croit, il va pas. C'est lui qui est la vie. Nous, on est au père. C'est pour cela que nous voulons te dire par là-bas. Bon, où tu mis dans le canoukolo? Avant de donner quelque chose à quelqu'un. Ouais, bon, on a donné un démené. Tu dois être. Si que tu as même dit à la chose. En annuel de mi dans son nom. Le Dieu qui a dit que le titre de protection. Maou de mi a yé wa da chanta. Quel pouvoir il a pour protéger quelqu'un? Vous voulez te dire que vous voulez te dire. Est-ce que mais je te conseille de suivre le vrai Dieu? Maou de ni koto maou de te. Et deux autres sont de suivre le vrai Dieu. Ani koto ni te la ni koto ni. Qui est la vie? Mais n'est donc ben. Il dit je suis la vie. Et bien mi koto je suis la vie. Et bien yo ben. Je suis la vie. Et bien yo ben. C'est ce qu'il a dit. Moi, je suis de Jacques, 11, verset 25. Toi, je suis la résurrection et la vie. Et puis, il faut son coupon, Pétain. Je suis la résurrection et la vie. Et puis, il faut son coupon, Pétain. Si quelqu'un croit à moi, mais il dit, lui, lui, même après la mort, celui-là vivra encore. Ton coupon, tu es dans ta vie, ton père. Voici la parole de notre Créateur. Lui, pas au compte, mais dans ta vie, ton père. Voici l'espoir qu'il nous a donné. Attends, tu es dans ta vie. Mais le Dieu que nos pères avaient adoré. Bon, Mao, de ton père, dans la gâteau. Parce que ce faux Dieu n'est pas la vie à lui-même. Non, oh, le Mao là, le n'est pas la vie à lui-même. Dieu l'a dit par quelqu'un. Il est là sous, il est vita pour mettre les siens là-bas. Parce qu'il a été crié par quelqu'un. Il est là sous, il est vita pour mettre les siens là-bas. Et cette personne aussi dépend de lui. Bon, mais il est là dans son point dit. Pour le moment, nous pouvons parler de notre Dieu aujourd'hui. Bon, mais quand on m'a dit que nous avons écouté nos frères Dieu. Mais où est-ce que son fils qui a été là? Il est la fille éternelle. Où est-ce qu'il demande au côté? Parce que lui, il est la fille. Où est-ce qu'il fait? Lui aussi va te donner la fille. Bon, où est-ce qu'il fait? Oui. C'est pour ça qu'il dit que je suis. Je suis la porte. Anyway, je suis la porte. Anyway, si quelqu'un entre par moi, il me dit qu'on relâche, il serait sauvé. Et là, il vit les gars. Je t'ai vu ce soir à Rani dans sa porte. Je suis toi, il a un dernier pion pour mon côté. Je suis la porte. Et ton relâche, si quelqu'un entre par moi, mais des pions pour il serait sauvé. Et là, il vit les gars. Pose-toi la question. Ça revient à dire qui il est avant qu'il dise que je suis. Mais où est-il pour donner un micro-pi? Il est qui avant qu'il dise que je suis? Et mais où est-il pour donner un micro-pi? Il dit je suis la porte. Et puis où est-il au roulant? Si quelqu'un entre par moi, mais il sera sauvé. Et là, il vous regarde. Je suis la porte des brebis. Et puis où est-il au roulant? Je suis la porte des brebis. Et puis où est-il au roulant des lingots les donateurs? Je suis la porte. Anyway, je suis la vie. Anyway, yo, je suis la lumière. Anyway, hero. Je suis la résurrection. Anyway, pour son coup. Je suis au commencement. C'est lui. Anyway. Et toi, tu cherches à ce que tu dis aujourd'hui. Bah, y a-t-il un autre nom celui qui est suivi de lui-même. Mais des gros candidats de celui que tu dois suivre. Mais il y a un autre nom. C'est lui que tu dois suivre. Mais il y a un autre nom. Parce qu'il a tout à lui-même. Non, il est parce qu'il a la vie à lui-même. Et donc, ben, toi, demain. Il a envoyé le prophète sur la terre. Et mais c'est pas ton ami. Il y a des prophètes. Bon, mais c'est pas sous. Tous ces prophètes n'ont jamais dit que je suis. Non. Mais c'est ton plan pour les deux. Peut-être pas mal. Je suis la porte. Bon, où est-ce que je suis le chemin. Il n'a jamais dit que je suis la lumière. Il n'est pas vrai, tu as dit je suis. Moi, je suis de lui-même. Il est suis de lui-même. Mais vivez, sortez d'un faux Dieu. Mille consommes à voir. C'est ça le faux Dieu que nos pères avaient adoré. Mille consommes à voir. C'est ce qui a tiré la colère de Dieu sur la vie. Et là où il y a un peu de mal, mais là, t'as adoré. Nos pères avaient adoré le faux Dieu dans le désert. Mao, t'as pas mis ton lèvre, c'est Mao à Goto au Zumbo. Mais ça, Dieu, c'est faux Dieu dans le désert. Yes, c'est Mao à Goto au Zumbo. Et la colère de Dieu les a frappés. Bon, Romain Blé, Mao, ton croyez. Si tu ne sais pas aujourd'hui, nous vous disons cela. Il y a Manuel et Aïe, tu es le faux Dieu qui a adoré dans le désert. Mawa Kode y est au Zumbo Mele. Dans l'ignorance, ton manu aimé. Et la colère de pièce, ton bêturé. Bon, on met bien ma auto donc. Et toi, si tu suis la faute aujourd'hui, mais puis Yesus a ton vigoto Mawa. Toi, si tu as la colère de Dieu, Yesus a ton tempo, on met bien ma
Avant le jour de la colère. C'est pour cela que Zacharie avait prophétisé de cela. Et de où tu
tout ça gagne non. Et qui cherche vous serez un jour de ténèbres. À Zen et n'ayant un sens simple d'avoir des ans, ça serait un jour de l'obscurité. À Zen et Awen et n'ayant un sens simple d'avoir des ans, mon bien-aimé. Mais vivez, Jésus vous appelle ce soir. Qu'est-ce que tu as eu l'homme de vous? Vous ferez à moi. Mais vous avez. Pour tout ce qui était fatigué, cherchez. Mais il n'y a pas qu'on fait à quoi qu'on pique. Jésus, tu as eu le père à vous décharger. Et Abraham, ton père, qui s'amène. À quoi qu'il y a pas de bagage qui est, mais. Qui te fait lourd. Et t'as rien parlé ton pique, oui. Le bagage qui est lourd pour toi. Abandonne ton pique, il y a un bagage de religion. Et qu'il y a un bagage, si c'est ton. Le bagage de religion. Abandonne si c'est ton. Tu dis que moi je suis des musulmans. Ah non, y'a un Timmy malheureux. Je suis des chrétiens. Y'a un Timmy, il sait non. Au ciel, il n'est pas chrétien là-bas. Quand on sait pas ton maintenant, il sait non, Mati. Il n'est pas musulman au ciel. Malheureux m'a tonton. Il n'est pas catholique au ciel. Catholique, il m'a tonton. C'est le vrai disciple de Jésus qui se trouve là-bas. Mais oiseau, tonton, pendant que Jésus Christ dit, on va pas avec tonton. Arrêtez le comédie. Mais bon, mais il est avec toi. Arrêtez le comédie. Mais bon, mais il est avec toi. Arrêtez le comédie. Mais bon, mais il est avec toi. C'est des musulmans à part. Et non, t'es pas même malheureux ton tonton. C'est des chrétiens à part. Et non, Christian aussi. C'est quand même Togo. Mais là-bas. Togo. Là-bas. Togo, c'est quoi ça? Comme ça. Et ma gâteau, donnez à Jésus. Mais ouais, qu'est-ce que tu dis? Vous t'en amènez encore. Et toi, l'autre, quel ami? Vous t'en amènez. Et toi, l'autre, ça donnez à Jésus. Mais là, quand on va dire, vous serez sauvés. Non, mais ni d'où vous voulez. Alléluia. 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 Mais quand moi les biens vous servent, c'est pas tout celui que tu vois qui va rentrer dans le royaume. Mais il est qui? D'autres sont là. Ils attendent la parole de Dieu. Ils jettent la parole de Dieu. Mais il est qui? D'autres. Il prend la parole. Ça fait une importance en ce moment. Mais des servants, celui que le royaume des cieux est important pour lui. Si tu as un enfant qui est obéissant, et ton père parle de quelque chose, tu te lèves en même temps, tu fais de cela. Nous sommes venus pour ceux qui ont envie d'aller au royaume. Pour écouter ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Mes amis, toi tu as vu Jésus-Christ avec tes yeux. Le Dieu nous a envoyé ta parole. Celui qui a écouté ma parole, qui a marché selon la parole, c'est celui-là qui va recevoir le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu reconnais, le royaume des cieux, c'est pas pour nous, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ. Si tu veux aller au royaume des cieux, ce que le comportement que tu dois avoir, c'est sur cette tête que tu dois avoir ce comportement. Si je suis dans ma maison, si je ne veux pas que tu amènes un chien dans ma maison, si tu amènes le chien sur mon portail, je peux te retourner. C'est comme ça au ciel aussi. Au ciel, Jésus t'en est. C'est pour Jésus-Christ. Celui qui vient aller au ciel, c'est la volonté que Jésus veut que tu. Et ouais, maintenant, non, tiens, c'est comme ça que tu dois être pour avant de venir vers lui. Aujourd'hui, maintenant, nous les hommes, nous sommes en disque. Ce que Dieu refuse. Ce que Dieu refuse, c'est ça qu'on fait. Et on veut aller au ciel. On rigole le notre Père Jésus. Et on veut aller dans le ciel. Ce que Dieu a fait, c'est pas bon devant nous. Et on veut aller dans le royaume des cieux. Mes amis, maintenant, on peut reconnaître si. Le ciel, tu as envie d'aller au ciel. Si tu as envie d'aller au royaume des cieux, il y a un ennemi derrière toi. Celui-là ne veut pas que tu rentres dans le royaume des cieux. Si tu le suis, tu vas aller dans l'enfer. Jésus-Christ ne veut pas que tu ailles dans l'enfer. Ce soir, il te tend la main. Il dit mes amis, fouillez votre vie. Ce que Dieu vous a dit de faire, est-ce que vous êtes en train de le faire? Pose-moi la question. Ce que Dieu t'a dit de faire là, c'est ça que tu es en train de faire?
On va te parler seulement. Il y a les choses que Dieu a refusé de ne pas faire. Nous sommes en train de le faire. Mais mes amis, fouille ta vie. Maouda, Dieu a dit, l'endami boyo, comme je vous ai créé, l'inomo, restez comme ça pour moi. L'endami boyo, ce que je vous ai donné, mimachako, ne rigolez pas ça. Mimachako, ne rigolez pas ça. Maouda est la gandhi. Jésus t'a donné des cheveux. Les cheveux, les bonnes cheveux. Dani, maouzeu t'a loué. Les cheveux que Dieu t'a donné, c'est à ton noyé, ton blonaya. Tu ne connais pas ce que Dieu a pris pour faire ça. Non, maouzeu blonda toi na. Tu ne sais pas ce que Dieu a pris pour faire. Bon, peut-être si ta caca. Les hommes sont trop têtus. Il dit à Dieu, les cheveux que tu m'as fait, c'est pas bon. Mais les témoins disent aux couleurs nous d'aïtons. Donc tu changes la couleur de les cheveux. Les cheveux que tu m'as donné, la couleur que tu m'as donnée, ne va pas. Moi, pourquoi? Qu'est-ce que toi tu es pour dire à ton Dieu que Dieu ne sait pas créer? Les doutes du Dieu. De pourquoi tu m'as donné petits cheveux? Je vais augmenter les mèches. Mes amis. Ça veut dire que tu es en train de rigoler ton créateur. Ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, ça ne te va pas. Ce que Dieu t'a donné, si ça ne te va pas, toi tu n'as pas la place au royaume des cieux. Oui, mais toi qui rigoles ton Dieu. Parce que tu as fait les cheveux simples là, tu as dit que les cheveux simples là ne te vont pas. Là, tu es en train d'appeler la colère de Dieu sur ta vie. Il y a un autre. Les filles que Dieu t'a donné. Tu vois quand c'est petit. Toi, tu vas acheter un autre. Donc, toi, tu es têtu comme ça. Ce que Dieu t'a fait là, toi, tu dis que c'est pas bon. Tu es au bout de ma tête. Si tu vois le Dieu demain, comment tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ne prenez pas votre bouche. Ceux qui font ça vont aller en enfer. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Jésus nous a envoyé de vous dire, si vous entendez avant de mourir, si ce que vous êtes en train de faire, la mort peut venir ce soir. La mort peut venir ce soir. Il ne prévient pas avant de venir. Si tu es dans toutes ces choses-là pour mourir, tu es perdu. D'autres disent il n'y a pas l'enfer. Celui qui te dit ça, ils ne sont pas des hommes. Il veut t'amener en enfer. Si tu les suis, tu vas aller en enfer. Mes amis, l'enfer est le paradis aussi. Le paradis, c'est pas pour les chrétiens. Le paradis, c'est pas pour musulmans. Le paradis, c'est pas pour catholiques. Mais c'est ton ou Jésus le temps. Celui qui a marché selon la parole de Dieu. Celui que Jésus a vu que c'est mon enfant. C'est celui-là qui va rentrer dans le royaume. Pourquoi je te dis ça? Aussi, c'est le roi, mes gars. Parce que l'église ne va pas te sauver. Pour laisser la parole de Dieu, tu es perdu. Mes amis, c'est obligatoire. Tu restes sur cette terre longtemps, tu vas mourir. Si tu meurs, la Bible, Jésus va prendre pour te juger ce jour-là. Ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est ça, avec ça on va te juger. Jésus a dit, ce que l'homme a habillé, la femme ne doit pas habiller. Ce que la femme
femme a habillé, l'homme ne doit pas habiller avec ça. Aujourd'hui maintenant, tous les femmes sont en train de marcher comme les hommes. Les hommes aussi sont en train de marcher comme la femme. Les hommes portent pantalon, la femme aussi porte pantalon. La femme se tresse, l'homme aussi se tresse. Regarde comment nous sommes. Regardez comment nous sommes bêtes. Nous n'avons plus de respect à celui qui nous a fait. Et tu dis que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu es perdu, mon frère. Oui, mais le pantalon, c'est toi qui es femme qui porte encore pantalon. Et tu dis que tu vas aller dans le royaume de Dieu. Et Jésus ton air. C'est pas pour Jésus. Non, Jésus c'est ton nom. C'est que Jésus a dit tu dois obéir. Aïe solo. Si tu es homme, tu te tresses. Bon, mais il sait où est. Tu dis que tu vas. Jésus ton air. Hein? C'est pas pour Jésus. Oui, mais, tu es en train d'écrire sur ton corps. Ah, des dessins de tout. Tu dessines sur ton corps. Ah, ton nom, moi, c'est pour nous blablabla, toi, là. Est-ce que tu sais ce que Dieu a pris pour faire ton corps? Et tu prends ce que tu veux, tu peux écrire sur ce ton. Si tu veux écrire, il faut aller écrire sur le tableau. Il faut écrire sur la droite. Ceux qui sont en train d'écrire sur leur corps. Si vous restez comme ça sans recevoir Jésus, Jésus, et si tu meurs, tu vas aller dans l'enfer. Jésus ne veut pas que vous y ayez en enfer. C'est pour cela que nous sommes en train de venir vous affecter. On est en train de vous avertir. Tu as le corps solide ce soir. Rien n'est manqué devant toi. Si tu es même en santé, tu peux aller se coucher ce soir. Tu peux être en santé, tu peux mourir aujourd'hui. Parce que la mort peut venir n'importe quand. Le souffle de vie que tu as, c'est pour Jésus. Oui, mais le matin, quand on toi qui es en train de moquer contre ton Dieu là. Il faut te méfier. Il faut te méfier. Mes amis, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Jésus aime le catholique. Il aime le catholique. Il aime le féticheur. Il aime les mamans. Parce que tous les âmes, c'est pour nous. C'est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Mais les gens sont en train. Les gens ne comprennent pas et ils suivent les églises. Mes amis, ne suivez pas les églises. Jésus n'est pas sur la croix encore. Jésus n'est pas sur les photos. Jésus est l'esprit. Jésus-Christ est esprit. Il met des choses devant qui disent Dieu. On appelle ça l'idolâtrie. Comment toi tu peux faire ton Dieu, tu mets ça en coupe pour dire que c'est Dieu. Mes amis, Jésus au plus beau. Jésus Christ est esprit. Et si vous Jésus doit quoi? On ne peut pas mettre Jésus au cou. Et quand si vous souhaitez Jésus on ne peut pas mettre Jésus contre une croix pour mettre ça dans... Si tu mets ça dans ta chambre, tout ce que tu as fait avec la main, si tu as genou devant, c'est illusoire. Jésus nous a envoyé ce soir pour vous avertir. Il ne veut pas que vous irez en enfer. Il a déjà payé le prix de votre enfer. N'acceptez pas aller en enfer. Après, tu vas te, ça va te faire du mal si tu te retournes là-bas. Tu ne vas pas faire un an, tu ne vas pas faire un mois, tu seras là en enfer pour l'éternité. Ne jetez pas vos derrière. Mes amis, on vous avertit comme ça. Les petits, les grands. Dieu me l'a oublié. Yeah.
Les grands ont dit la vie est vide de main, il y a une couverture dessus. Là où tu es dans cette vie là, il y a quelque chose que tu dois éviter. Tu dois reconnaître que c'est quelqu'un qui a créé le monde. Et tu dois l'obéir. Non, c'est pas que ce que tu veux que toi tu aies. Tu dois te demander ce que je suis en train de faire. Comment voit ça Jésus? Si ce que tu es en train de faire, ça n'obéit pas ton Seigneur Jésus, là, donc tu es en enfer. Toi, tu portes les collants. Tu mets les vernis, les couleurs. Les rouges aux lèvres. Toutes les femmes qui sont en train de s'habiller comme ça. Il faut les demander. Les maris de nuit, c'est ça qui les visite. Les sirènes d'eau, c'est ceux-là qui les visitent. Qui fait les rapports sociaux avec eux. Après tout, là tu ne peux pas rester chez ton mari. Si quelque chose ne se passe pas, chaque fois vous êtes en train de discuter, c'est l'esprit-là qui est en train de faire ça entre vous. Sous en mettant. L'esprit de lui là, c'est ça qui a fait le pantalon de l'eau. Toi, femme, allez, toi, toi, mais qui les a fait comme ça? Et nos bleus d'amorés et au corps qui demain. Donc, tu fais les cheveux, il met les coris dedans. Pour l'autre, on s'appelle les demain. Ou bien, il y en a un. Quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train d'accueillir les mauvais esprits dans votre vie. N'acceptez jamais. Il faut sauver votre âme. Il faut sauver votre âme. Ne laissez pas. Satan ne veut pas que tu ailles dans le royaume. C'est lui cherche que tu ailles en enfer. Mais c'est ton nom à Kali. Qui t'as-tu oublié? Mais c'est ton nom à Kali. À qui tu es en train d'obéir? Voilà la parole qu'on nous va donner. D'autres vont prendre ça, ils vont laisser, ils ne vont pas accepter à eux. Parce que ceux-là ne sont pas du royaume. Mais ils sont retournés. Ceux qui sont du royaume des cieux, s'ils entendent, ça le touche. Quand il rentre chez lui, il médifie ta vie. Ce qu'on a entendu, c'est ça qu'on vous a dit. Si vous marchez selon la parole, si vous faites tête contre la parole, mes amis, votre vie, votre mort, votre vie, la vie éternelle pour toi, l'enfer pour toi, c'est dans ta main. Si tu rentres dans l'enfer, c'est toi, mais c'est toi. On a déjà dit pour nous, on est en train de partir. Il faut accepter le Seigneur, Jésus, après la mort. Dieu endurcit ton cœur. Et bien, regarde-toi, Dieu. Mais ce soir, le Seigneur te fait grâce encore. Tu regardes, et moi, tu as mis en oeuvre. Il te fait grâce encore. Et tu as mis en oeuvre. Écoutez sa parole. Et nous, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Non, vis sous, non, vis en dessous, il y a un oeuvre. Le message est que je suis venu à t'apporter ce soir. C'est que Jésus t'aime. Avant la fondation de ce monde, il t'a prédestiné aussi pour son royaume. Il t'a destiné aussi pour son royaume. Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. La Bible dit Dieu t'a aimé le monde. Et il a envoyé son fils unique. C'est parce que Dieu t'aime. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mourir à la croix à cause de tes péchés. Porter le jugement qui devait tomber sur toi. Jésus t'aime, mon frère. Si tu viens encore, sache que Jésus t'aime. Jésus ne te rejette pas.
cet accord de péché est venu. Cet accord des gens de mauvaise vie est venu. Si il est venu, c'est pas encore des saints. Jésus t'aime encore. Malgré le nombre de tes péchés. Sache que Jésus t'aime. Il ne te rejette pas. Car nous sommes encore dans le moment de la grâce. Où le Seigneur accepte quiconque vient à lui. Le Seigneur se prend ou pas pour accepter quiconque. Il suffit que tu reconnais tes péchés. Et tu saches que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Tu reconnais que tes iniquités te conduiront en enfer. T'as dit de mensonge. T'as dit de vol. T'as dit de prostitution. T'as dit de convoitise. De l'adultère. Toutes ces choses te conduiront en enfer. Si tu viens encore, à cause de tes iniquités, sache que ton âme est sous la condamnation. Sache que ton âme est en train de courir derrière le chemin de Dieu. Mais si tu dis, sache que tu as encore la grâce, tu as le privilège d'accepter Jésus dans ta vie, de demander la grâce de Dieu pour tes iniquités. Tu as la grâce d'abandonner encore tes péchés. Mon frère, donne ta vie au Seigneur Jésus. Moi qui l'ai mort pour tes péchés. Moi que Dieu l'a frappé pour tes iniquités. Et il est ressuscité le troisième jour. Et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Dans la confession, ce n'est pas après la mort. La confession, ce n'est pas après ta mort. C'est devant devant toi que vous pouvez accepter le Seigneur. Après la mort, il n'y a plus le pardon des péchés. Après la mort, il n'y a plus la grâce de Dieu. Maman, si tu entends ma voix, donne ta vie au Seigneur Jésus de ta vivante. Accepte Jésus de ton vivant. Ceux qui sont déjà morts, ils recherchent encore l'évangile. Ils demandent la grâce. C'est déjà trop tard pour eux. Accepte Jésus dans ta vie. Reconnais tes iniquités. La Bible dit celui qui reconnaît ses péchés. Celui-là qui les reconnaît, qui les avoue à Dieu, il obtient miséricorde. Mais celui-là qui garde ses iniquités, qui dit mes iniquités ne me conduiront nulle part après la mort, ses iniquités demeurent sur lui. Et après sa mort, Dieu va lui rendre selon ses iniquités. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le chemin de Dieu? Après la mort, il n'y a plus la grâce de Dieu. Il n'y a plus d'autres prières qui peuvent sauver. Il n'y a plus d'autres messes qu'on peut commander en ta faveur. Pour que tu sois sauvé. Mon frère, donne ta vie au Seigneur Jésus. Pour que tu sois. Sache que la chose la plus importante dans ce monde, nous vivons, c'est d'accepter Jésus. Accepter Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Croyez en Jésus. Mouth.
Regarde dans le miroir. Et dire dans ton cœur. Comment celui qui est mon Dieu. Comment il est en train de te voir. La manière dont je me suis habillée. Est-ce que cela est dit d'un enfant de Dieu? Tu te dis
besoin de salut. Oui, les gars, la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. 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 C'est le salut. Et voyez, Jésus-Christ, la vie éternelle. Jésus-Christ, voyez, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le tout. Et nous, nous, bidons. Je nous fléchis. Et nous, mettez-moi la biguina. Il est le salut. Viens, mon frère.
frères, viens ma chair, Jésus-Christ à paix. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu t'appelle encore, parce qu'il y a une fois que nous sommes déjà venus dans ce marché pour vous annoncer le retour de Jésus-Christ. Mais vous êtes restés à endurcir vos cœurs. Encore ce soir, encore ce soir, encore ce soir, pour cette dernière chance que le Seigneur te donne d'écouter encore ce message, de repentance, parce que les temps sont finis. Jésus nous appelle à la repentance. C'est pourquoi il nous a envoyé dans ce marché plusieurs fois. Plusieurs fois que nous sommes déjà ici. Mais tu as déjà endurci ton cœur. Tu n'as jamais accepté ce message. Mais encore ce soir, un peu de temps seulement. Et Jésus-Christ est là. Et Jésus revient. Où ira ton âme après ta mort? Où ira ton âme après ta mort? Le Seigneur Jésus t'aime encore. Jésus-Christ continue de t'aimer. C'est pourquoi il nous a envoyé ce soir pour prêcher l'évangile. Pour dire que son retour est imminent. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que Jésus revient. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que Jésus revient. Nous ne sommes pas là pour vous annoncer des flatteries. Nous ne sommes pas là pour vous caresser. Mais nous sommes là pour vous dire la vérité. La vérité que l'homme ne veut pas entendre. La vérité que les églises ne vous prêchent pas. Nous sommes là ce soir pour vous dire que celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est votre créateur, celui qui vous a envoyé dans ce monde, vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie, car lui, il revient bientôt. Et la rétribution sera donnée à chacun. Bien-aimé, si tu veux aller au ciel, si tu sais qu'il y a un ciel, tu dois te préparer dès maintenant. Pendant que tu as le souffle de vie en toi, pendant que Jésus t'a donné la grâce d'avoir le souffle de vie en toi, si tu n'avais pas son souffle, tu n'allais pas venu dans ce marché pour étaler tes marchandises afin d'espérer vendre quelque chose. Mais parce que le Seigneur t'a donné son souffle, c'est pourquoi tu as eu cette grâce de venir dans ce marché. Bien aimé, je voudrais te dire que quel que soit l'argent que tu cherches, quel que soit les biens de ce monde que tu cherches, ça ne va pas t'amener au ciel. Ça va te satisfaire si c'est qui t'est seulement. Mais est-ce que ton âme, est-ce que tu te soucies de ton âme? Est-ce que tu te soucies de ton âme? Parce que l'homme meurt une seule fois et le jugement vient. Et si tu meurs, si ton corps est tombé par terre, ça va dans la tombe. Et ça devient poussière. Ton corps devient poussière. Ton corps que tu chéris tant. Ton corps que tu chéris tant. Ce corps-là va descendre dans la poussière. Et tu ne vas rien faire. Parce que le pouvoir se trouve en Jésus-Christ. La vie se trouve à Jésus-Christ. C'est pourquoi il t'appelle ce soir de mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, et tu vis comme tu veux, tu vas mourir comme un chien. Tu vas mourir comme un chien. Et tu vas atterrir en enfer. Bien, mais Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. Il continue de t'aimer. Et c'est pourquoi il te tend la main. Peut-être que c'est la dernière chance. Peut-être que c'est cette dernière chance que tu as ce soir. De te repentir et de donner ta vie à Jésus. Mais si tu t'entêtes et tu as tout sur ton cœur, la mort va venir. La mort peut venir à tout moment.
même cette nuit, tu ne sais pas celui qui est proclamé. C'est pourquoi tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Pendant que tu nous écoutes en ce moment, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu. Il a dit, je suis le chemin qui mène au ciel. Et je le dis parce que je suis la vérité. Je le dis parce qu'il n'y a pas de mensonge en moi. Je le dis parce que je veux te conduire au ciel. Il a dit, je suis le chemin. Et il est la vérité. Et il a dit, c'est lui qui a la vie. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus aura la vie éternelle. Bien-aimé, la vie ne se trouve pas en aucun autre. Parce que la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir et ton âme va atterrir en enfer. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle. C'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Et tu dois l'adorer. Nous devons adorer Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le seul et unique vrai Dieu. Nous ne sommes pas ici ce soir pour vous prêcher, oui, l'église. Nous ne sommes pas ici pour vous prêcher la religion, mais nous sommes là pour vous prêcher Jésus-Christ, celui-là seul qui peut conduire au ciel. Il est le chemin, la vérité, la vie. Oui, bien-aimé, je te salue. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, le salut est venu auprès de toi. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et il dit, celui qui croit en moi, il ouvre sa porte, me reçoit avec lui. Je vais descendre dans sa maison. Je vais manger, je vais souper avec lui. Et lui avec moi. Qu'est-ce que tu peux trouver de mieux que cela? Le Créateur, c'est Jésus qui l'accorde. Le bonheur, c'est Jésus qui l'accorde. Et la destination finale pour l'homme, c'est soit l'enfer ou le ciel. Bien aimé, toi tu décides d'aller où? Où est-ce que tu décides d'aller? Après ta mort, le jugement vient. Après ta mort, le jugement vient. Après le jugement final, où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que tu passeras ton éternité? Où est-ce que ton âme ira? C'est en enfer ou bien c'est le ciel? Bien aimé, il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. C'est ton vivant, il faut accepter Jésus dans ta vie. Il faut accepter Jésus dans ta vie. Et marcher selon ses recommandations. Alors le ciel t'attend.